avec Jérôme et Mickaël. Ils sont partis très très vite, ils se sont un petit peu tirés la bourre. Et moi j'ai pas voulu m'énerver. Hein. Quand on voit le circuit, il fallait, voilà, je crois que j'ai eu raison, il fallait surtout pas s'énerver au départ. Et comme tu l'as dit, là, trouver son rythme de croisière. Voilà. C'est vraiment un circuit exceptionnel, vraiment. Et c'est vrai que j'avais à cœur un petit peu par rapport à l'année dernière, au championnat de Bretagne. J'ai pas réussi à décrocher le titre, donc j'avais à cœur de bien faire aujourd'hui aussi. Hein. C'est une petite revanche en même temps. L'année dernière, j'étais pas au milieu de ma forme, j'avais chuté, j'avais une côte de cassé. Donc les conditions n'étaient pas au top, n'étaient pas au optimum. Bon alors, belle course. Ouais, très physique, dur, technique. Il fallait être costaud dans les relances, toujours en train de relancer, avec la pression un peu de derrière ce qui arrivait. Et il y avait un bon lapin devant, donc ça motive. Avec Jérôme. Départ un peu... Ouais, on m'a accroché un peu au départ, mais bon, la différence s'est faite après. Techniquement, ça passait bien, c'était sec, donc ça passe bien. Nickel. I feel hazy. Why is everything black and white? I feel dizzy. Like my fucking head is full of dynamite. Jump in my Mercedes. But it isn't quite driving right. Réussir à avoir ce niveau-là d'entrée. Je pensais être bien pendant une heure et quart, et après avoir du mal sur la fin de course, connaissant le circuit ici. J'ai couru l'année dernière en Bretagne, donc c'était assez exigeant. Et au final, tout le monde était autant cramé que nous, donc j'ai réussi à m'en sortir. Premier, de début à fin. Ouais, bah, j'aime bien partir vite avec le cyclocross, d'habitude. Le départ en VTT, c'est primordial. Surtout là, on arrivait direct dans des chemins monotraces en descente, donc... pour éviter de faire des efforts inutiles, vaut mieux se placer directement. On a deux Coupes de Bretagne, deux victoires. Ouais. Encore toute seule, sur celle-là. Toute seule, ouais, mais Marine, je ne l'ai pas vue en fait. Je pensais qu'elle allait revenir sur moi après le départ. Et puis en fait, j'ai pris de l'avance dans les parties techniques et j'ai fait toute la course devant. Du coup. Alex qui a chuté, donc du coup j'ai repris la troisième place en podium.
le circuit. Merci messieurs, on va repasser la Coupe de Bretagne maintenant. Avec ouais, le circuit était technique et physique à la fois, parce qu'il y avait des grosses montées qui faisaient vraiment mal. Quoi. Enfin, on était presque tout à gauche sur le vélo. Donc, alors chez les juniors, donc, coupe pour de Bretagne. Donc, ça devrait aller. Troisième, ça permet de s'en mettre dans l'allure du VTT avec la Coupe de France, donc c'est très bien. Renan le...